Je suis Simone Dompère. J'organise depuis 22 ans une manifestation qui s'appelle des rencontres comme ici, des rencontres internationales traverses. Le mot traverse, c'est le refus de la route nationale bien tracée et c'est aussi le passage constant d'un médium à l'autre, sans hiérarchisation de l'un ou de l'autre. Et dans la réelle, dans le Pax, entre ces médiums, donc dans ce que l'on appelle l'intermédialité. Depuis fort longtemps, je viens ici animer un atelier expérimental, et pour que ce soit quelque part lié à la notion d'atelier, je viens avec de nombreux films. Je prends un film par rapport à cela, et ensuite, suivant les questions, les réactions, s'il n'y a pas de questions, je choisis tel ou tel. Le film narratif forme des films. L'expérimental fait le film. Fait film. On enlève le. Il fait film. C'est-à-dire qu'il s'arboute sur le matériau. Je disais tout à l'heure la lumière, le mouvement. Donc il travaille le matériau en tant que tel. La pellicule, quand c'était la pellicule, en la grattant, en la peignant, en l'enfouissant sous terre. Le signal magnétique en le perturbant. Et le numérique comme un médium, non pas comme un outil, puisqu'au départ le numérique a été retenu simplement comme outil de montage, mais là c'est pris comme un médium. Et le film précisément qui est là travaille la couleur en la transformant musique. Ceci par le médium informatique, c'est-à-dire qu'il pousse les potentialités du médium, et c'est en ce sens que l'on travaille avec. C'est pas un outil qu'on pourrait remplacer par un autre. Donc l'expérimental, sa préoccupation n'est pas la narration. Il peut y avoir des bribes de narration parce que ce n'est pas de la virtuosité vaine. Il y a du sous-texte, il y a de la proposition. Dans les années 60, ça a été un cinéma à l'avance concernant les revendications sexuelles, les revendications d'égalité selon les différences de peau. Donc c'était un cinéma engagé. Mais pas un cinéma engagé qui simplement lance un message et que l'on peut jeter après. C'est vraiment la forme qui produit le sens. D'abord ça fait peur, ensuite on me dit, chaque année le même journaliste me dit, mais c'est pas fait pour l'élite. Donc il y a des présupposés. Il y a des idées reçues sur l'expérimental. Il est vrai aussi que c'est moins facile peut-être à analyser, à proposer, parce qu'on ne va pas mettre une grille de lecture. Et c'est en ce sens que ça me paraît indispensable, parce que ça vous met en émoi au sens étymologique, ça vous fait bouger, ça vous inquiète. Et on est toujours dans ce tremblement, et ça me paraît être ça, le mouvement de la vie. L'émotion, le cinéma, c'est de l'émotion et de l'émotion, c'est du mouvement. Bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des jeunes pour leur poser quelques questions. Vu la crise climatique, nous serons amenés à changer notre alimentation. Des insectes, par exemple. Qu'en pensez-vous? Non, honnêtement, j'adore. Ça pue. Et après, on l'a, là, dans nos assiettes. C'est subjectif. Bah, c'est de la nourriture. Bah, franchement, par rapport à mon lycée, on va dire que c'est beaucoup mieux. Alors, je vais, j'arrive. Ah, ça, c'est dans la tête, hein. Ça, y a pas assez propre à chacun. Et si on devait aller jusqu'à la chair humaine, qui mangeriez-vous? Les gens qui mastiquent. Non, voilà. Qui font des bruits de bouche aussi. Donc, je dirais les pauvres. Les pauvres. Vous? Non, je suis très honnête. Moi non, mais elle oui. Oui, moi oui. Pour en revenir à un sujet plus politique, que pensez-vous de Donald Trump et Kim Jong-un? Ah bah ils sont très bien, ouais. Très bien, vraiment. C'est plein de trucs, c'est un aspect visuel qui est très intéressant. C'est un super ouais, cool. Ouais, très c'est sympa. Les bestas. Ouais. Ouais. Moi pour l'instant c'est le pied total. Ouais non, je suis d'accord. Ouais. C'est l'élite qui encadre l'élite, en ouais, fait. Ouais, voilà. Autre question? Un sujet plus personnel.
pour vous. Comment s'est passé votre premier baiser? C'est la première fois, c'est quelque chose, c'est une bonne expérience. Bien, très bonne, très bonne. Ben, l'accueil était chaleureux. Ben, c'est pas bon, ça n'a aucun intérêt. Il y a déjà quelques heures à peu près. Je l'ai trouvé assez profond. Enfin, moi j'ai bien aimé. On m'a pas trop raconté. Non, pas moi. Moi c'est la deuxième fois. En Canada avec des ours. Dans une petite maison en ville. Ouais. Avec un petit chien, un petit chat. On a fait tout. Un peu. Ouais. C'est chouette les mots là. On n'est pas habitué, mais ça va. Genre, ça a un petit côté plaisant. Il n'y a pas de critères, mais je sais quand j'ai été déçu, mais je ne sais pas dire... Quand on explique le truc après et qu'on a compris, c'est pas difficile. C'est tranquille, quoi. C'était vraiment très intéressant. Donc, moi, je m'appelle Alain Benesti. Je suis de formation initiale travailleur social. Voilà. En fait, je n'ai pas de formation dans les métiers du cinéma, dans l'image, si ce n'est que je me suis, depuis 30 ans, formé et confronté à ces métiers-là, parce que dans ma pratique professionnelle, j'en ai fait des outils privilégiés pour permettre au public avec lequel je travaillais de pouvoir s'exprimer, de prendre la parole, de pouvoir dire qui ils sont, donnant la parole à ceux qui ne l'ont pas. Voilà, et à ceux dont on a, je crois, beaucoup d'intérêt à les écouter. Et aussi, très tôt, de réaliser que pour les personnes, à partir du moment où elles parlent d'elles, bien en fait, elles se révèlent aussi les solutions à elles-mêmes. Parce que à partir du moment où on a un questionnement, et bien de répondre à ces questions que, pour certaines, on ne leur a jamais posées, eh bien, il se trouve qu'il y a des révélations. Et à partir de ça aussi, de s'en servir pour faire connaître et pour l'amener aux autres. Voilà. Ceux qui ont quoi ? Ceux qui ont des stéréotypes, ceux qui ont des préjugés, ceux qui pensent que c'est des personnes qui n'ont rien à dire. Ben non. Voilà, ça permet aussi, au travers de réalisations comme on a vu ce matin, de mettre les gens en situation d'acteur. Et là, forcément, on peut, par ces créations-là, faire un petit peu avancer ce qu'on appelle le sens critique, c'est-à-dire que avoir une distance un peu plus grande vis-à-vis des choses qu'on nous sert au quotidien, etc. Et moi, dans ces accompagnements-là, ô combien d'enfants me disent « Ah, mais maintenant, je comprends comment on le fait. » Voilà. Et alors, je dis « Mais c'est important de savoir comment on le fait. » Ben oui, parce que maintenant, quand je vois des images, je ne les vois pas de la même manière. Ah, très bien, super. Voilà. Alors, moi, je suis sur le discours ambiant dominant qui est « Attention les écrans », moi, je ne rentre pas du tout dans ces considérations-là. Je ne suis pas d'accord avec ce discours-là. Je le résume avec une question très souvent qui est « Qui s'inquiète de quoi, finalement ?» C'est les parents, c'est les enseignants, c'est les enfants eux-mêmes, etc. Ensuite, sur l'effet néfaste, non. Moi, je ne pense pas. À partir du moment où l'écran, c'est une chose, mais c'est la question du contenu, bien évidemment. Donc, on peut avoir des contenus qui sont pédagogiques, éducatifs, intéressants, dans lesquels, le livre est remplacé par un écran. Et ça, de mon point de vue, ça ne doit pas poser de problème si l'enfant reste toujours aussi ouvert aux choses que sans écran. Voilà, parce que moi je connais des enfants qui sont beaucoup sur les écrans, mais qui sont très ouverts à la vie, et c'est pas un problème. Et des enfants, effectivement, qui n'ont plus que cette interface-là pour voir le monde. Voilà. Et c'est là qu'il y a un problème. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'être sur un propos alarmiste, inquiétant, anxiogène, générateur de peur. Non, il faut prendre les choses comme elles sont. Les écrans sont là, ils seront là autour de nous de plus en plus. Mais il faut s'interroger à la place que ça prend dans la vie d'un enfant. On regarde, voilà, comme je l'ai dit, du contenu, du temps passé, de la précocité aussi. Parce que effectivement, sur le plan psychomoteur, sur le plan de l'ouverture justement, au lieu de les enfermer dans quelque chose, il vaut mieux effectivement qu'ils soient dans le regard des autres. Et pas dans le regard de la tablette.
c'est ça, écoute. On se laisse pas arrêter. Explique, je te suis mal. On poursuit, tout droit. À quoi tu penses ? Vas-y. T'es sûre ? Oui. Tout droit. Une larme de crime, une rivière de tonique, et ensuite, la petite victime, composée d'une petite olive, d'un petit morceau de sucre, d'une petite ficelle, et ça nous fait un petit Grégory. Et ensuite, on fait quoi ? Le petit Grégory ? On l'immerge. Et on attend le résultat. Si l'olive, enfin quand l'olive, elle remonte, si t'es le premier, eh ben, t'as perdu, c'est toi qui paye la tournée. C'est pas compliqué. Perdu. Malou, tu nous remets la même chose ?